Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus, agrandis mon cœur. Il y a quelque chose de choquant dans le fait de voir quelqu'un ramasser une pierre, une belle pierre, pour la lancer sur une personne. Dans les évangiles, nous sommes presque habitués à ce geste, tant nous voyons de moments où les uns ou les autres cherchent à lapider quelqu'un. Nous pouvons penser à Jésus, dans l'évangile que nous entendons aujourd'hui, alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. C'est quand même très violent comme geste quand on l'imagine. Nous pouvons penser, bien sûr, à la femme adultère, cette femme qu'on amène à Jésus, prise en flagrant délit de péché. Nous pouvons penser dans les Actes des Apôtres à Étienne et puis à tant d'autres aussi. Nous sommes presque habitués à ces lapidations dans l'Évangile auxquelles il ne faudrait bien sûr jamais nous habituer. Pourquoi un geste aussi violent contre Jésus aujourd'hui? Ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais qu'est-ce que tu as dit, Seigneur, pour susciter une telle colère chez ces personnes à qui tu t'adresses? Déjà, ils avaient dit peu de temps avant, « Nous savons bien que tu as un démon. » Ils disent que tu es possédé par un démon. Là encore, ce n'est pas la parole la plus sympathique. On fait mieux. Pourquoi ce geste? Pourquoi ces paroles? Pourquoi cette violence? Pourquoi ce déferlement de haine dont nous allons être témoins dans ce temps de la Passion? Il nous faut nous plonger dans notre Bible, revenir aux Écritures pour mieux comprendre, Seigneur, ta parole. Il nous faut apprendre à lire la Bible pour ne pas rester à la surface, à ce qui serait simplement superficiel. Qu'est-ce que tu viens de dire à ces hommes qui ramassent des pierres pour les lui jeter? Tu viens de dire « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Cette expression « moi, je suis » peut paraître anodine pour beaucoup de lecteurs de la Bible. D'ailleurs, déjà dans les jours précédents, nous l'avons entendu. Nous l'avons entendu quand tu disais « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi, je suis. » Moi, je suis. Cette expression fait référence en fait à un passage de la Bible très important. Ce moment où Moïse voit ce buisson qui brûle sans se consumer. Il s'approche, il entend la voix, il se déchausse, et Dieu qui se révèle à lui comme un Dieu sauveur va lui révéler son nom. Parce que Moïse le demande, « Quel est ton nom ?» Le nom de Dieu. Et ce nom de Dieu, que les Juifs ne prononcent pas, est intraduisible en tant que tel. « Je suis, je suis. » Lorsque, quelques siècles plus tard, sous la domination grecque, on va traduire la Bible en grec, on va passer de l'hébreu au grec, on va tomber sur ce nom de Dieu. Mais comment le traduire? Et on va le traduire en mettant « ego eimi », « moi, je suis ». Tu me suis? Voilà, c'est bien ça. C'est bien ce nom que Jésus vient de prononcer. Moi, je suis. Il vient d'affirmer sa divinité. Il vient d'affirmer que ce nom de Dieu
c'est son nom à lui. Voilà pourquoi les Juifs qui l'entendent sont convaincus qu'il blasphème. Ils ne savent pas en vérité qui il est. Donc, ils considèrent que Jésus se prend pour Dieu. Alors, ils ramassent des pierres. On peut condamner ce geste, bien sûr, quoi qu'il en soit. Mais voilà, c'est à cause de ce qu'ils considèrent comme un blasphème qu'ils vont ramasser des pierres pour les lui jeter. Jésus a révélé qui il est. Et nous voyons bien que Dieu, dans la Bible, a quelque chose à nous révéler. Aujourd'hui, Jésus révèle qui il est. Quand on lit la Bible, quand on lit attentivement le texte, la lettre, la tradition chrétienne nous enseigne qu'on peut y lire aussi trois sens spirituels, pour aller plus loin. Bien sûr en s'appuyant sur le texte en lui-même, et c'est pour cela que nous avons pris soin, Seigneur, de nous arrêter sur ce texte, pour découvrir cette révélation que tu nous fais. Trois sens spirituels, pour découvrir Dieu qui se révèle dans les Écritures, pour découvrir Dieu qui nous révèle ce que nous devons faire, toute cette dimension morale que nous reprenons régulièrement aussi dans nos méditations, Seigneur. Pour découvrir le ciel où tu nous désires, Seigneur. Ces trois dimensions, qui tu es, ce que nous devons faire, le ciel où tu nous attends, eh bien, c'est cela que tu nous révèles dans les Écritures. D'ailleurs, c'est un peu ce que tu as révélé à Moïse aussi dans l'épisode du buisson ardent. Tu as révélé qui tu étais, je suis, je suis. Tu as révélé aussi ce qu'il devait faire, avec ton aide, bien sûr, faire sortir ton peuple d'Égypte. Tu as révélé où tu veux conduire ce peuple, la terre promise. Et c'est cela que tu nous révèles encore aujourd'hui, jour après jour, lorsque nous nous plongeons dans les Écritures. Qui tu es, ce que tu veux que nous fassions, avec ton aide, et puis cette terre promise, ce ciel où tu nous attends. Ces hommes à qui Jésus s'adresse refusent cette révélation. Ils refusent d'entendre que Jésus puisse être Dieu. Moi, je suis. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Et leur refus me rappelle, Seigneur, que moi aussi je peux refuser des choses dans ta révélation. Oh, bien sûr, je peux condamner ces hommes qui ramassent des pierres pour les lui jeter, mais n'y a-t-il pas des moments où je refuse, moi aussi, d'accueillir ta parole, de lire les Écritures avec attention pour accueillir ta parole, pour accueillir ce que tu me révèles? Ce que tu me révèles, c'est que tu es le Fils de Dieu. Cela, peut-être que je l'accueille, déjà, ou peut-être... Mon accueil est-il imparfait? Ce que tu me révèles, c'est que ce que je dois faire, c'est que je peux me convertir, que ma vie peut changer, avec ta grâce, avec ton aide, bien sûr. Mais est-ce que j'accepte vraiment cette révélation d'un changement possible? Au terme de ce carême, alors que nous sommes déjà bien avancés, mes petits échecs dans mon désir de me convertir risquent quelquefois de saper mon moral, de me laisser entendre que, ben non, ce n'est pas possible. Rien n'est impossible à Dieu, dit l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Rien n'est impossible à Dieu, quand il parle d'Élisabeth qui attend un enfant. Ce que tu me révèles, Seigneur, c'est le ciel, c'est cet amour, ton amour. Et tout cela aussi. Il peut arriver que je le refuse en disant « Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que Dieu m'aime après ce que j'ai fait, après telle chose, telle autre. Ce n'est pas possible qu'il m'ouvre le ciel, qu'il le désire encore pour moi. » Oui, tous ces « ce n'est pas possible » m'amènent à rejoindre ces hommes qui ramassent des pierres pour te les jeter. Oui, Seigneur, apprends-moi à accueillir ce que tu me révèles dans l'Évangile,
à découvrir qui tu es, ce que je dois faire, le ciel où tu me désires, ces trois dimensions spirituelles des Écritures que les Pères de l'Église nous enseignent. Apprends-moi à lire les Écritures. Apprends-moi à accueillir ta parole à la lumière de l'Esprit-Saint. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.